Comment être un sportif heureux, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'Haute Performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à battre leur record personnel en gagnant confiance, sérénité et en se libérant de la peur d'échouer. Je suis aussi l'auteur de ce livre, L'identité gagnante, le secret du nouveau dopage légalisé, que vous pouvez retrouver dans les commentaires. Et aussi, avant d'aller plus loin, vous pouvez mettre un pouce, vous pouvez vous abonner pour être sûr de ne louper aucune vidéo et regarder dans les commentaires, vous pouvez également prendre un rendez-vous offert avec un coach de mon équipe. Alors maintenant, comment être un sportif heureux ? Si vous regardez cette vidéo et que vous avez cliqué dessus, peut-être que les gens de votre entourage vous voient comme quelqu'un d'heureux, de confiant. Et vous, bah, au fond de vous, vous dites « je m'entraîne énormément, j'ai une petite faille, mais si les gens voyaient ça, s'ils savaient, ils verraient que je ne suis pas du tout comme ça. » Bref, vous avez l'impression d'être seul et bah, je comprends totalement puisque moi-même, j'étais dans cette position-là il y a quelques années en arrière. Donc maintenant, je vais vous montrer aujourd'hui ce que je fais avec des sportifs parce que si vous allez voir les vidéos de l'Académie de la Haute Performance, si vous allez voir les commentaires qu'il y a sur l'Académie de la Haute Performance, vous allez voir que non seulement les sportifs que l'on accompagne bah, performent et en plus de ça, bah, ils sont heureux, épanouis, ils s'éclatent dans leur sport et même dans la vie de tous les jours. Donc la première étape déjà pour être un sportif heureux, c'est arrêter de s'identifier à son sport, ok ? Vous n'êtes pas votre sport, vous êtes bien plus que ça. Moi, à l'époque, quand j'allais arrêter justement la boxe, eh bien, je me disais, waouh, mais si j'arrête la boxe, derrière, je suis qui? Je sais faire quoi? Je suis un... Bah, en fait, on a l'impression d'être rien, en fait. Et c'est incroyable, en fait, le nombre de sportifs qui ont du mal à arrêter leur sport parce qu'ils disent, mais si j'arrête, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et qu'est-ce que je sais faire d'autre? Et on va voir des sportifs, du coup, qui vont s'accrocher à quelque chose. Et ça va durer comme ça bah, des années et jusqu'à tomber en dépression. Ça, on en parle peu, mais il y a beaucoup de sportifs qui, après leur carrière, bah, finissent en dépression, finissent au fond du trou. Et derrière, ils repensent à leur carrière quand ils étaient mis sur un piédestal. Et finalement, aujourd'hui, ils perçoivent qu'ils ne sont plus rien. Donc, un, déjà, c'est cesser de s'identifier à son sport. Deux, ensuite, maintenant, ça va être de faire tomber son sport du piédestal. Ça, c'est la partie très contre-intuitive que l'on fait et qui marche vraiment, vraiment, vraiment très bien. Nous, par exemple, là, je pensais à justement une fille qui vient de rentrer dans le programme qui est d'un niveau international et qui vise un titre de championne du monde. Et du coup, là, ce qu'on a fait en fait ensemble, c'était voir tous les inconvénients à son titre d'être championne du monde. Au début, elle fait « Mais Pierre, mais il n'y en a pas d'inconvénients, c'est pas possible. » Enfin, c'est mon rêve et enfin, c'est mon rêve. Quoi. Si je le fais pas, en gros, entre guillemets, j'aurais raté ma vie. Et donc, on a commencé à regarder ensemble tous les inconvénients à être championne du monde pour le restant de sa vie. Et du coup, en voyant ça, elle a vu que bah, du coup, elle s'entraînait énormément, elle se privait de gens. Si demain, elle avait un conjoint, bah, peut-être qu'il allait se minimiser parce qu'avoir une copine qui est championne du monde, ça peut mettre la pression. Peut-être que si elle a des enfants, dans quelques années, ils vont se mettre la pression eux-mêmes parce que leur mère a été championne du monde et du coup elle a vu tous les inconvénients que ça allait créer dans sa vie et tous les bénéfices si finalement bah, elle était jamais championne du monde et bien que ce serait aussi fluide, ce serait facile etc. jusqu'à temps que paf, le champion du monde tombe, voilà le titre de champion du monde tombe de son piédestal, qu'elle voit que ce titre là dans sa vie n'allait pas lui apporter plus de bénéfices que d'inconvénients et que si elle l'avait pas, ça lui apporterait pas plus d'inconvénients que de bénéfices. La plus grosse erreur pour un être humain, c'est croire que quelque chose obtiendra plus de bénéfices pour lui que d'inconvénients. Et là, quand le prix à payer arrive, ça fait très très mal. Parce que chaque chose dans la vie, tel un aimant, aura autant du plus et du moins tout le temps, tout le temps. On ne peut pas y échapper à ça, c'est vraiment une loi universelle. Et donc, en faisant ça, paf, elle s'est dit, bon, ok, en fait, c'est bon, je m'en fiche, je suis championne du monde ou pas, c'est ok. Et derrière ça, elle a pu développer une activité parallèle, s'entraîner un petit peu moins et du coup, bah, reperformer à son niveau, puisque là, elle n'en a plus rien à faire. Et c'est au moment où tu as ce paradoxe de, en même temps, j'ai envie d'y aller là, et je vais tout faire pour y aller, et je vais tout donner pour faire ça, parce que bah, j'adore faire ça, et en même temps, j'en ai rien à fiche, j'ai rien à fiche de l'avoir ou pas. C'est là où tu as le meilleur paradoxe qu'un être humain performe. C'est à la fois j'ai envie de ça et à la fois je m'en fous de ne pas l'avoir. Donc là, on est vraiment en pleine, ce que certains appellent la loi d'attraction et le lâcher prise. Et du coup, bah, on peut se reconnecter à l'enthousiasme. Donc, enthousiasme qui est vraiment le fuel, qui est vraiment l'énergie pour la performance. Et le premier moteur de la performance est souvent le plaisir et l'enthousiasme. Ensuite, le troisième point, c'est arrêter de chercher à être fort ou être performant dans son sport.
Encore une fois, on est des êtres humains complets, et du coup, plus on va polariser quelque chose dans l'existence, performer, plus ça va être en relation, un espace et un temps donné. Je m'explique. Au même degré où justement avec cette sportive on allait voir, ok, au même degré où tu te sens performante et fort ici, où est-ce que tu te sens nul? Oh bah il y a des concours que j'ai pas fait, il y a des amis que je vois pas, des fois justement avec mon ex-conjoint j'étais juste horrible avec lui. Et du coup ok, donc au même degré où tu te sens performante ici, tu te sens moins performante là. Bah ouais mais carrément. Donc ça veut dire que plus tu vas chercher à être quelque chose dans tes domaines de vie, alors ça va être au détriment des autres domaines de vie. Ça, je l'ai fait aujourd'hui des centaines et des centaines de fois. C'est une loi universelle. Donc, dès que tu cherches à être fort, au même degré où tu te sens fort, peut-être que tu es faible de vouloir te sentir fort. Et que la réelle force, c'est de s'aimer s'accepter aussi quand on est faible. Et quand tu vois ça, qu'on ne peut pas échapper à cette dualité, ça permet d'être juste soi-même, ok ? Pas chercher à être fort, être excellent, être performant, mais juste d'être soi-même, de donner le meilleur que l'on peut. Et après, les résultats arrivent sous une certaine forme ou sous une autre, mais au moins, on est prêt à accueillir tout ce qui arrive. Et à chaque fois, en fait, les athlètes que j'accompagne disent « Ouais, mais en fait, maintenant, le champ des possibles est tellement grand que peu importe ce qui va se passer, je sais que ça va bien se passer. » Donc voilà comment être un athlète heureux. C'est vraiment, un, de pouvoir arrêter de t'identifier à ton sport. Deux, de voir tous les inconvénients au titre que tu as et de voir que ce n'est pas le titre qui va créer ta valeur, mais c'est toi qui va créer le titre. Et trois, ensuite, de pouvoir juste être soi-même et d'arrêter d'être juste une polarité parce qu'on subit l'autre sinon. Et voici pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, pensez au petit pouce qui fait toujours plaisir. Pensez à commenter aussi pour me donner votre avis. Et également, si vous avez envie d'aller plus loin, vous pouvez retrouver ce livre, L'identité gagnante, le secret du nouveau dopage légalisé, dans les commentaires. Et pour ceux qui veulent aller encore plus vite, encore plus loin, vous pouvez réserver un appel découverte avec un coach de mon équipe. Cet appel vous permettra de voir le point A où vous en êtes aujourd'hui, le point B où vous souhaitez aller et comment du coup vous pouvez passer du point A au point B le plus rapidement possible. Et enfin, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites mais qui vous devenez. Ciao !